je veux juste apporter un point. Pour ce qui est de ce que tu disais tantôt, les protéines animales, à quel point on en a besoin, oui, il y a toujours moyen de compenser autrement. Mais personnellement, je suis pas végétalien, je suis végétarien. Mmh. Donc, je mange quand même des œufs et du fromage. Ah oui, okay. Ce qui est quand même une bonne manière, en tout cas, d'aller chercher des protéines. Puis, ça fait 6 ans que je mange pas de viande, que j'ai pas de poisson, aucun être qui a été vivant. Okay. Puis, j'ai fait du sport compétitif et je suis en pleine forme. Ouais, donc, tu sais, il y a quand même un mythe de comme du végétarien rachidique, là, qui mange mal, qui est pas là un peu. Mais, et ce n'est pas mon cas. Puis, je rajoute même un point qui fait souvent sourciller les gens. J'avais entendu en commençant à être végétarien que c'était bon pour le système immunitaire. Je n'y croyais pas une seconde. Et ça fait 6 ans que je n'ai pas eu de rhume, mesdames et messieurs. Pour vrai, j'ai pas été malade depuis 6 ans. Donc, je sais pas s'il y a un lien à faire entre les deux, parce qu'avant, j'étais malade tous les hivers comme tout le monde. Mais au point, on a besoin de protéines animales pour survivre. Moi, je pense que j'en ai en masse dans les quelques œufs et les quelques produits laitiers que je me permets de manger dans la semaine. C'est sûr que je suis pas nutritionniste, en fait, que je peux pas t'aider là-dedans, mais oui, t'as raison, c'est certain, puis j'étais très heureux d'être végétarien, puis j'ai pas renié du tout mes origines végétariennes, mais maintenant, moi, j'ai toujours aimé le bacon, là. Exact. Même quand j'étais végétarien, genre, je chantais des odeurs de bacon, je dis, my God, pourquoi je suis végétarien, pourquoi j'ai fait ça, tu sais, mais ouais, c'est ça. Je te dirais que moi, je trouve que c'est le seul bon argument contre les végétariens. Le bacon? C'est le fait que la viande, mais presque, c'est le fait que la viande, ça goûte bon. Tu sais, tu peux m'inventer n'importe quelle histoire, je vais toujours te démentir que t'en as besoin, que les humains ont toujours mangé de la viande, que c'est l'évolution normale des choses. Je vais toujours te dire que c'est faux. Mais quand tu me dis, je trouve ça trop bon pour m'en passer, ben là, je peux comprendre. Tu sais, moi, je respecte la culture, je respecte la musique, je respecte les arts. Cuisiner, ça peut être un art. Puis cuisiner de la viande, c'est super important dans l'art de cuisiner. Donc, si tu me dis, ça goûte bon, puis je peux pas m'en passer. Écoute, je comprends. Fais juste consomme responsablement, peut-être du biologique.